il y a un truc qui ressort de derrière la cuisine, qui ouvre la porte, et vous voyez un alligator énorme qui ressort de la cuisine. Mais c'est pas un petit... Vraiment, il est monstrueux. C'est un truc énorme qui est en train de déchiqueter. Vous voyez qu'il tourne, il est en train de lui arracher tous les membres. Et comment ce truc aussi gros, il peut sortir de la cale tout seul? Je regarde l'alligator, je regarde mon arme, je jette mon arme par terre. C'est mort. Mais ça se tue un alligator, c'est pas le problème. Pas avec ça. Bah, si. Elle tue pas, faut le neutraliser. Bah vas-y. Allez-y, on vous regarde. Allez, Grabno. Et il tape Milo. Quoi? C'est hors tu de question. Tu l'as eu. Non. T'as eu le c'était pirate. Pas moi. Ah, je me disais aussi. Mais si, c'était lui. Je l'ai vu, il était en train de se battre avec. Le capitaine chope l'arme que tu jettes. Il commence à tirer sur le... Alors, il tue déjà le Mexicain, au passage. Et il commence à tirer sur l'alligator. Et vous voyez, en fait, il prend les balles, l'alligator, quand même. Mais bon, maintenant, il vous fonce dessus. Ouais, voilà, super, ça a juste énervé. Il est en train de vous courir dessus. Je me barre. Je me barre aussi. On est plus rapide qu'un alligator, techniquement. Non, vraiment pas. Ah ouais? Ah, vraiment pas. Ça va aussi vite qu'une voiture. Faut zigzaguer. Faut zigzaguer parce qu'il n'arrive pas à courir en ligne droite. Enfin, il court que en ligne droite. Vous voyez, il sprint sur vous, tout le monde se met à courir, à se barrer. Et vous arrivez sur le bord du bateau. Vous le voyez au loin se casser un petit peu la gueule, tordre les barreaux et continuer à vous suivre. Il va vous suivre. Il est en train de vous suivre. Mais il galère dans les couloirs et tout. Oui, normal. J'essaie de monter dans un truc en hauteur où lui il peut pas monter. Ou en tout cas il va galérer à monter. Et où toutes les balles que j'ai, je lui vide dedans. J'essaie de viser l'arrière de sa nuque. Que fait Milo? Est-ce qu'il y a un endroit où les rebords ils sont un peu plus bas, je sais pas, au niveau des canaux de sauvetage peut-être ou quoi? Un endroit où on peut passer par-dessus facilement? Oui. Tu peux. Oui, tu peux. Je me mets là. Et je m'assure que l'alligator il aille vraiment vite en fait pour essayer de venir vers moi, en comptant sur le fait qu'en poussant derrière moi il va passer par dessus bord. Ok. Moi ce que j'essaie de faire, c'est que vu qu'on est sur une cuisine de luxe, je suppose que la cuisine elle a deux entrées. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire littéralement le tour pour rentrer dans l'entrée de la cuisine. En gros je vais faire un tour et essayer de voir pour choper genre le couteau le plus vénère possible pour essayer de me défendre si jamais il me chope l'alligator, tu vois. Ok, d'accord. Donc l'alligator poursuit tout le monde dans... Enfin, en même temps. Vraiment, bah, là, oui, puisque c'est un chemin. Tout le monde va dans la même direction. Donc, effectivement, juste s'il y en a certains qui s'accrochent en hauteur, il y a des membres de l'équipage qui s'accrochent et qui prennent la place. Du coup, vous pouvez pas y aller. Vous devez continuer à courir et tout ça. Voilà. Vinny arrive à se mettre en hauteur. Milo arrive à se mettre dans une zone un petit peu, bah, justement, à part où si l'alligator, il attaque, il passe par-dessus bord. Et Michael, t'essaies de faire le tour. Vous voyez Gremnov qui, lui, se met dans le coin d'une porte et attend que l'alligator passe. Et vous voyez, il se met en position pour lui sauter dessus. Non, mais il a raison. Gremnov, qu'est-ce que vous faites? Il veut. Il m'a coûté des milliers d'euros, des milliers. Non, mais... C'est pas un petit alligator qui va me faire peur, hein. Vous êtes au courant que s'il vous chope, vous êtes mort, hein. C'est moi qui vais le choper. Oui, vas-y, hein. Quand on rigole. Je continue à tirer. Si je suis en hauteur et que j'ai le visu sur l'alligator, je lui tire dessus. Dans la nuque! Tu lui mets des balles et tu, en lui tirant dessus avec le fusil, tu lui exploses une patte. Non, tu vois qu'il a vraiment la patte, mais il peut pas l'utiliser. Ça l'handicap énormément. Michael, tu fais le tour. Tu chopes dans la cuisine le premier couteau que tu vois, un énorme couteau, un énorme hachoir à viande, vraiment. Un truc qui fait vraiment. Qui est monstrueux. Et du coup, t'es dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais après? Alors, est-ce que je vois Gremnov qui est sur le point de sauter sur l'alligator? Lui, tu le vois pas, il est encore à l'extérieur. Faudrait que tu sortes et aller dans le couloir, et là, tu vas voir l'alligator au loin qui est en train d'essayer de choper des gens et tout ça. Bah là, mon but, justement, ça va être d'essayer d'aller derrière l'alligator pour le surprendre et de lui... Je sais pas, de lui tailler une patte ou quoi, enfin, lui... L'arrêter, quoi, bordel, il va faire un massacre. L'alligator, là, n'a qu'une chose en terre, c'est que... Il voit Milo. Moi, je vois qu'il y a une patte de l'alligator qui a sauté. Oui. Donc jamais il aura assez d'élan pour mon plan initial. Je prends mon arme et j'essaie, comme on m'a appris de m'en servir et de tirer sur l'alligator. 84. Tu loupes tout par panique. Vraiment, tu loupes tout, il te fonce dessus. Limite, t'as l'impression qu'il esquive tout. Non, pas du tout. C'est toi qui ajustes à chaque fois ton tir et tu l'ajustes mal. Et il s'apprête à te foncer dessus, à te choper.
Et là, il y a Gremnov qui lui saute dessus. Mais vraiment, il lui saute comme un malade. Et il lui saute sur la gueule. Il essaie de forcer à fermer la gueule. Il n'y arrive pas. Enfin, il a du mal. Ça court dans tous les sens. Les gapteurs, il essaie de se retourner. Il fait tout n'importe quoi. Il n'arrive pas à faire des tonneaux comme il peut faire d'habitude. Parce que là, l'espace ne le permet pas. Enfin, il n'y a rien qui va. La sienne, elle est chaotique. Et là, Michael, t'arrives. Et je vois la scène avec Gremnov, là ? Oui. Ah bah je vais aider, je vais foncer sur l'alligator pendant qu'il est dos et qu'il me rate pas et j'essaie de lui taillader une patte. Enfin, j'essaie de l'arrêter, quoi. Sale bête ! Tu vois, les étoiles sont alignées. C'est-à-dire que Gremnov est sur l'alligator, il se fait éjecter, l'alligator s'apprête à lui foncer dessus. Et la seule chose que tu vois, c'est que tu peux couper un truc qui fait que une corde qui fait que un des bateaux va, des canaux de sauvetage va tomber et ça entraîne l'alligator dans le chemin. Tu vois juste l'alligator se faire choper une patte et être bloqué entre deux rangs. Vraiment, il est le canot de sauvetage, il est en train de pendre dans le vide. L'alligator est retenu par deux barreaux qui le bloquent sur le pont. Parfait. Vous trouvez quelque chose pour l'attacher, vite ! Je lui tire une balle dans la tête. Ok. Fais un G. Et si tu fais un bon G, ça le tue direct, là. Il est facilement tuable. 19. Tu arrives au corps à corps, tu lui mets le canon dans la bouche, et bah ! Directement, ça lui explose entre les deux, entre le crâne. Et tu regardes, putain, non ! Ah, c'est bon, ça va. Sinon, il allait tuer tout le monde. Arrêtez de faire le chi, c'est très bien empaillé en plus. Je l'ai pas poussé, votre alligator. C'est la panique sur tout le bateau. Tout le monde tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Et il y a juste Gremnov qui met des énormes coups de pied dans la tête de l'alligator. Oh, inutile ce truc. C'est pas beau, ça pue, ça prend de la place et ça coûte cher. Ouais, c'est bon, regardez là, vous l'empaillez, c'est un très beau trophée et vous le vendrez. Il y a plein de balles dedans. Un sac à main ? Bah, la tête, ça suffit. Les sacs à main comme ça, ce qui paraît, ça sent super cher. Et là, il y a le capitaine qui arrive et qui pète le câble, qui dit vous vous rendez compte que je vous ai fait, vous m'avez payé. Bon, alors vous m'avez payé effectivement, mais amener un alligator. Sur un bateau de plaisance. Sur un bateau de plaisance avec 50 personnes dedans. Mais avec zéro sécurité. Et t'es pas censé être en cage ? Bah ouais, c'est bizarre. Enfin, vous l'avez pas monté comme ça, t'es pas censé être en cage ? Et il dit ça à son second, enfin, à ses deux équipiers. Et il y en a un qui dit on n'avait pas prévu qu'une cage en bois, ça suffisait pas. Non, mais vous êtes d'une stupidité absolue, non, attendez, c'est terrible. C'est une blague. Animal, ça va. Non, mais vous avez vu le bestiau ? Une cage en bois ? Vous êtes complètement débile, hein ? C'est grave. C'est du bois. Bon, après. Vous avez juste un mâchoire. Bon, malheureusement, il y a quand même deux personnes qui sont mortes de ça, qui sont innocentes. Après, les pirates, on s'en fiche. Eh, quel bon, ça. Non, ils avaient rien demandé, le personnel du bateau. Hein. Donc, je serai vous. Oubliable, ils sont oubliables. Non, bon, non, des pertes, non. Des pertes. Les pirates, je suis d'accord, mais le reste, non. C'est des gens qui n'avaient rien demandé, d'accord. On dira que c'est les pirates qui les ont eus. Moi, je dirais pas ça, non. Ça fait combien de temps qu'il est en liberté, l'alligator, là ? Ah, bah, je sais pas. Et l'autre, il dit, ouais, ça fait 2 jours. Mais comment ça ? Mais il était où ? Vous avez vu le bestiau ? Bah, dans la cale, et il a chopé quelqu'un hier soir. Et c'est vous qui avez nettoyé derrière ? Bah oui, il fallait pas qu'il y ait de... Putain, je savais que j'avais vu quelque chose. T'es passé à deux doigts... De me faire bouffer. De te friter avec un alligator de 5 mètres. Bien joué à toi. Ouais, bah je vous remercie pas. Hein. Vous êtes cons, hein. Vous le savez, j'espère. Ah oui, ils sont cons. Et il leur met des petits coups. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout va être nettoyé. Les pirates... certains pirates sont vivants. Du coup, il y en a certains qui sont morts, effectivement. Mais. Celui avec lequel s'est battu Milo, il est mort, le pauvre. Non. Mais il a pris un gros trauma, quoi. Il voit Milo, il a peur. Le voyage. Enfin, le reste du voyage, ça va durer 2 jours. Qui est restant. Va être un petit peu. Chaotique. On va nettoyer la cuisine. Enfin.
ça, les membres de l'équipage et même les clients sont pas du tout à l'aise. Et il y a Gremnov qui finit par faire une réunion entre capitaine et vous. Écoutez, faut pas que ça fuite. D'accord, pourquoi on est là? Parce qu'il faut pas que ça fuite. Parce que les autres clients, ça va. Vous, il y en a un dans le tas, là. Il peut vite dire la vérité. On se retourne tous vers Milo. Donc, Milo. Oui. Vous allez vous taire, monsieur. Je... On n'a rien vu. C'est-à-dire que... Sinon, il sort un carnet. Et il y a marqué... Alors, vous voyez que c'est un carnet à Kevin. Il y a très... vraiment marqué Penberg sur le carnet. Bien précisément. Sinon, si vous dites quelque chose, votre petite expédition, là, elle va très très vite s'arrêter. D'accord, on dira rien. Oh là là, déjà. Vous n'avez pas besoin d'hausser le ton comme ça ou quoi que ce soit. Parce que l'expédition, c'est une bonne chose. Mais n'empêche que nous, on n'a pas failli faire buter tout le bateau. Hein. Et moi, en j'ai plus regardé, de ça, non. Un animal d'un client. A tué tout le monde. Nous sommes fait attaquer par des pirates et ils ont ramené un animal. Ça peut plusieurs versions. Bon, écoutez, peuvent ce être que je veux dire, c'est que on comptait rien dire de toute manière. Ils ont peut-être lui, mais on l'aurait calmé. Mais vous avez pas une raison pour nous menacer, bordel. Surtout qu'on vous a sauvé, vous. Hein. Ouais, moi j'ai sauvé tout le monde là. Oui, bien sûr. En plus, c'est con, je vous aimais bien. Et puis le petit coup du. Je regarde le capitaine, le petit coup d'enlever la casquette et. Et hein, devant les pirates, c'est bien joli de faire les malins. Excusez-moi, mais... j'avais chaud. Oui, bien sûr. Bon, il avait chaud, tu prends vraiment rien. Compte, hein. On dira rien, mais le carnet, vous l'avez eu? J'ai débrouillé pour l'avoir. Devine. Kevin, il travaille pour vous? Oh non. Moi, j'aimerais bien, il est doué. Qu'est-ce que vous avez fait à Kevin? Ils l'ont payé. Il s'est bouffé par l'alligator. Non, on lui a mis un petit coup de pression. Il n'a pas eu le choix. Donc ça marche. J'ai vu son petit carnet, là. Et... l'ai vu passer et... Mais du coup, vous voulez pas qu'on parle pour ce qui est arrivé là et vous nous mettez la pression pour Penberg, mais les seuls arguments que vous auriez, c'est les mots écrits dans le carnet par une personne anodine. Oui, mais vous en faites pas, j'ai un petit peu un minimum de puissance, donc je retrouverai tout ce que j'ai à retrouver, je mettrai dans la merde. Bon, écoutez... Si ça vous va, je parle en mec occupé, c'est un peu ma propre initiative, hein, mais voilà, je pense qu'en même temps, ça pourrait permettre aussi à ce que Milo se taise. Pas vrai, Milo? Bon, vous l'avez lu, on est en expédition. Vous avez du matos et vous avez besoin qu'on se taise. On peut peut-être s'arranger. En effet, oui, on peut s'arranger. T'as besoin de quoi, d'objets d'archéologie, c'est ça? Vous êtes là-dedans, vous aimez ça, c'est ça? Explosif aussi. Ouais, explosif, bon, ça peut se trouver. Je suis pas... Là, si je suis qu'un petit voyage en Angleterre, hein, je vais pas rester là-bas tout le temps. Non, mais justement, vu que vous allez au même endroit que nous, je pense que vous avez des contacts là-bas. Oui. Ah bah, on va dire que vous nous fournissez le matériel qu'on vous demande cette fois-ci, et on est quitte. Alors, quand vous demandez, si j'ai... Mais oui. Bien évidemment, oui. Si vous avez, oui. On va pas vous demander des sous-marins, vous inquiétez pas. Oui, allez. On fait et ça pas, prenez pas trop la confiance, quand même. Hein. Vous non plus, Ramnava. Moi qui ai le dessus, là. Pas sûr. Je me rappelle. Ah oui. Nous, on a Milo. Bon, marché conclu, Grimnov? Eh oui. Je serre la main. Allez. Je serre la main aussi. Très bien. Il tend la main, Milo. Bon, marché conclu. Très bien, très bien. Vous inquiétez pas, il a plus besoin de son expédition que ce que vous croyez, là, Milo. Mais il est très sage. Bon. On est d'accord. La police, elle va arriver. Les pirates, ils sont venus. Avec un animal, ça a été. Ils ont perdu le contrôle. On avait des armes, on a pu se défendre. Vous avez pensé à vous débarrasser de la cage? Eh oui. Doit pas en rester grand chose, de toute façon. Non, mais vous savez, la police, comment elles sont des fois? Le moins petit truc. Ah, elles sont bêtes. Quand l'affaire, elle est très claire, tout semble élucidé déjà de base, ils vont pas chercher plus loin. Ah oui, ça c'est bien vrai, mais vous savez, il y en a toujours un par moment qui finit par s'acharner. Ouais. On s'occupera de lui. Bon, bah si le marché est conclu, je vois pas ce qu'on fait ici.
Hein? C'est vrai. En plus, c'est bientôt l'heure de manger, là. Écoutez, on va aller manger un morceau et on vous dit, on se reverra au débarquement en Angleterre. Ça vous va, Grebnov? Très bien. Il reste combien de jours de voyage, d'ailleurs, capitaine? 2 jours. Ça va. Bah, dans 2 jours. Allez, on profite un petit peu, malgré tout. Enfin, on essaye. Je sors du bureau, j'attends pas les autres. Je sors juste du bureau. Je sors aussi. Tout le monde s'en va. Tout le monde retourne dans sa cabine. Et les 2 jours vont passer. Alors effectivement, c'est pas du tout la même ambiance maintenant. Et surtout que vous avez été confronté à la mort pour la première fois de votre vie. Enfin, pour certains. Moi, j'ai pas été confronté à la mort. Hein. Moi, j'ai tué le truc qui allait tuer les autres. C'est vrai. Enfin, j'ai permis le tuage. Et vous arrivez en Angleterre. Vous arrivez sur place et vous sortez du bateau. Alors, tout le monde sort du bateau. La police est là, évidemment. Tout le monde est interrogé. Tout le monde a à peu près la même version des faits. Même les gens, même les clients, bizarrement. Ça s'est propagé. Tout le monde a à peu près la même le même version. Vraiment, tout le monde. La police ne vous embête pas plus que ça, puisque vu que tout le monde dit la même chose, l'affaire semble assez claire. Et donc, bah vous vous retrouvez dans le port à pas vraiment savoir quoi faire. Bon, on n'avait pas un contact à rencontrer Si, si, exactement. C'est qui a l'adresse du contact? C'est moi, je suppose. Comment ça, tu supposes? Bon, on est dans le port. On devrait pouvoir se déplacer facilement de toute façon. Ça parle, ça parle anglais, donc oui. Bon, faut juste trouver le British Museum de toute façon. Bah bonne chance, hein, parce qu'en plus là, avec tout le bordel qu'il y a au port. Je vais demander à un mec qui travaille sur les docks. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Est-ce que vous savez comment on va au British Museum? Prenez le bus. Et il est où l'arrêt du bus? En dehors du port. D'accord. Vous pouvez me donner la direction, s'il vous plaît? Là-bas. Et il indique une direction à peu près au pif. Enfin, vers une zone en sortie de port, quoi. Il est pas précis du tout. Ouais, allons vers là-bas. Bah on va vers là-bas, mais bon. On demandera des éclaircissements. Prenez vos bagages et on y va. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas Grebnov sur le quai. Il est plus là, Grebnov. Ah, ok. Il semble avoir disparu. Bon, allez, on y va, les gars. On va au musée. Allez. On va essayer d'aller au musée. Vous avancez, vous marchez en direction de ce qui vous semble être la ville, l'extérieur du port. Et sur le chemin, alors tout le monde, tous les passagers se dirigent vers là-bas à pied. Donc c'est assez simple au niveau du trajet, on va dire. Et sur le chemin, il y a un homme un peu âgé, un petit peu tout recroquevillé, qui est sur le côté avec un panneau sur lequel est écrit Penberg. Ah, bah vous voyez, on est venu nous chercher. D'accord. On aurait pu nous prévenir quand même. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bon, bonjour. Vous travaillez bien pour monsieur Penberg? Pas du tout. Et pourquoi vous avez le panneau dans les mains alors? Il le regarde. C'est ma femme. M'a dit de venir me dire ça et de me ramener des gens. Ouais, c'est nous les gens. Oui, c'est nous. D'accord. Vous avez une voiture ou autre? Oui, oui. C'est ça. Et je viens de Calais. Ah ben voilà. Bon, allez, vous conduisez depuis longtemps? Mais oui. Moi qui ai inventé le cheval. Vu son âge, il a certainement inventé la roue, le cheval, la calèche et même le siège, certainement. Ah mais ça m'a pas l'air très sécurisé. Hein. Bon, on prendra le relais. Allez où votre calèche? Là. C'est une vieille calèche, pas fofolle, mais ça va, normal. Bon allez les gars, mettez vos affaires, on y va. Ouais. Bon bah allons-y. Alors. Et il se monte, et il se met dessus, il prend les rênes, il est un petit peu lent. Bon, on va à l'hôtel.
Du coup, vous prenez la direction de ce qui semble être un hôtel. Pas plus d'informations que ça. Et au bout d'une trentaine de minutes, vous arrivez devant un petit hôtel. Alors, pas miteux, mais c'est pas du 5 étoiles. Ça se voit, c'est modeste. Bon, ça fera l'affaire. Bon. Excusez-moi, monsieur. Vous savez où il est le British Museum ? Oui, oui, c'est ma femme. Elle vous dira tout. Je sais pas, moi, elle m'a dit de venir. Je vais vous laisser, je vais chercher d'autres clients. D'accord. D'accord, merci. Allez. Et vous voyez, il part. Donc, il vous laisse. Vous voyez l'image de... Peut-être face à cet hôtel, la calèche part. Une entrée pas très grande, un escalier qui mène justement à une grosse porte en bois. Voilà, un hôtel sur 5 étages. Bon, bah, rentrons et demandons des infos. Je vais faire. Il y a quelqu'un ? Je vais sonner à la sonnette de l'accueil. Elle sonne même pas. Une vieille sonnette. Alors, oui, j'arrive. Ah, bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous n'êtes pas de la région ? Non, non. On est arrivé avec le bateau qui arrive au port là. Oui, d'accord, ok. Vous êtes de Monsieur Penberg, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser poser vos affaires dans vos chambres. Elle pose trois clés. Et ça, voilà, elle met un plan de la ville. Avec un... Vous voyez que le plan, quand il est dessiné, elle a dessiné dessus. Et vous voyez un cercle qui est dessiné dessus. Voilà, alors ça c'est le British Museum. Donc, on m'avait dit que vous voulez aller là-bas. Oui, allez, les trajets, bah, vous pouvez y aller. Là, on a le temps. Vous serez là-bas, il sera approximativement 17h. Attendez, on est où là par rapport au British Museum ? Ah, mais là, on est, je dirais, une heure à pied. Ah, bah ça va, c'est à côté. Ça va. Bon, allons poser nos affaires dans nos chambres et on y va. Faites comme celle-là. Je m'en fiche. Je prends celle qui reste. Vous la prenez. Chacun a sa chambre. Lorsque vous entrez dans vos chambres, c'est rien de fou. C'est classique. Voilà. Bon, ça suffit, c'est pas mal, ça va. Vous posez vos affaires et en effet, on peut partir. Vous retrouvez une fois à la sortie. Les affaires sont déposées, vous connaissez cette adresse-là, vous pouvez y revenir quand vous voulez pour dormir, ce genre de choses. Moi, je dépose tout sauf ma mallette de médecin, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, qu'est-ce que vous décidez de garder sur vous, surtout ? Bah, qu'est-ce qu'on a dans nos valises ? Bah, le flingue factice pour toi. Bah, moi, j'ai dans la manche, donc ça, il bouge pas. Voilà. Et pour Milo, bah, c'est plus des affaires d'archéologie ou ce genre de choses. Moi, j'ai rien à prendre, honnêtement. Ah, moi je prends ma mallette, mais vraiment au cas où, on sait jamais, ça peut toujours servir s'il y a quelqu'un qui a un problème. Donc vous arrivez, vous sortez de l'hôtel, et vous pouvez vous rendre du coup au British Museum. British Museum où apparemment vous attendrez Monsieur Torres. Bon, allez, ça fait une heure qu'on marche, on est enfin arrivé. Ah, mais surtout, mais c'est... Ah, il fait lourd! Oh là! Et j'espère qu'il a bien été prévenu de notre arrivée. Bah, en espérant, hein, parce que bon. Je suis pas sûr ni certain. On est même pas sûr à 100% qu'il soit là, hein, je rappelle. Bon, allez, bon, moi j'y vais. Vous venez ou. Non, bah, j'arrive, non, j'arrive. On reste là, on va t'attendre. On a eu assez de malchance ces derniers jours, hein. Je pense que là ça va un peu s'inverser. Bon, ça, la chance, hein. Ça dépend des gens. Non, mais pour une fois, espérons qu'il est d'accord. Enfin, qu'il est d'accord, qu'il ait raison. Putain, la chaleur est abjure. Ouais, j'en ai marre de demander ça. Il y a quelqu'un ? Alors, vous arrivez au British Museum. L'accueil. C'est très grand. Vraiment, il y a un peu tout. Il y a des professeurs, des étudiants, un peu tout, n'importe quoi. Et... Il y a une dame qui arrive. Oui, alors qu'est-ce que puis-je faire pour vous ? Ah, bonjour mademoiselle. Nous venons voir le professeur Torres. Est-ce qu'il est là ? Torres ? Ouais. D'accord, vous êtes des amis ? Oui, on a rendez-vous avec lui. Rendez-vous ? Oui.
C'est... Rien de loin. On est envoyé par Monsieur Penberg. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Non. Non, mais on a... Je suis mis au touch. On a un rendez-vous avec Monsieur Torres, il nous attend. C'est pour... c'est important. Eh bien, d'accord, le bureau de Monsieur Torres, elle vous l'indique. Il est un peu éloigné dans le musée, un peu à part. Vous arrivez face à une porte en bois avec un verre opaque dessus, avec marqué « Docteur Philippe Torres ». Bon, les gars, je rappelle, cherche sur les Vikings, etc. Allez, je toque. Vous toquez. Et au moment où vous toquez, vous vous faites tamponner par quelqu'un qui arrive sur le côté. Eh, faites attention. Faites gaffe, oh. Ah, regardez où vous allez, ouais. Excusez-moi, messieurs. Vous êtes devant mon bureau. Ah, vous êtes monsieur Torres. Poussez-vous. Allez, j'y passe la clé. Ah, il s'en bat les couilles. Allez, j'ai des recherches à faire. Ouais, c'est bien, monsieur Très Torres, bien. Mais... Vous êtes... Excusez-moi, c'est un peu sale. Faudrait nettoyer non, là. Non, vous vous trompez, monsieur. Merci. On n'aurait pas monsieur Penberg. J'adore les nouveaux. Je suis mis au touch. Je rentre dans son bureau et je lui dis par contre, vous allez vous calmer direct. Ah, vous avez vu, c'est sale, hein. Ouais. On est d'accord, hein. Comme ton visage dans quelques secondes si tu me laisses pas parler. Calme-toi, Vigny. Oh là, j'ai pas le ton que vous avez. Hein. Moi non mais plus. C'est Vigny, c'est pas grave, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, personne monsieur... aime le ton qu'il a, même pas lui-même. On veut juste discuter avec vous 5 minutes. D'accord. Vous savez, allez, regarde sa montre. Pas beaucoup de temps, là. Pas de trucs à faire. Vous voulez quoi, un autographe? Peut-être vous signer, je vous montre. Il sort un bouquin. Non, mais vous êtes personne. Énorme. Et on vient de Penberg. Je vous avoue que c'est pas encore sorti, je m'attendais pas à voir des fans. On est de la part de Penberg. Ah! Comment ça, Penberg? Ça va faire 20 ans que j'ai pas entendu parler de lui. Oui, bah c'est bien, bah nous il nous envoie, donc au lieu de faire votre numéro... Il aurait pu numéro, prévenir. Oui, c'est bien. Bah, au lieu de faire votre numéro, aurait pu vous prévenir, oui. Oui. On est venu vous parler. Très bien, bah qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix, du coup, j'imagine bien. Non. Bah si, vous êtes sur le choix, mais bon, vous déconseillez d'avoir le choix. Non, on a fait une heure de marche, on s'est tapé le bateau, non, il a pas le choix, non. Oui, c'est vrai, il a pas le choix. Dites-moi... On a entendu dire que vous étiez un très très grand chercheur dans De le Viking, j'adore ça. Voilà. La période Viking, c'est de foutre ma vie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est ça, vous êtes un grand fan, vous voulez peut-être une nouvelle pièce pour sa collection, c'est ça? Alors, vous attends. Êtes des chasseurs de trésors. Un peu, on peut spécial dire ça. Spécial Viking. On peut je dire me rappelle ça. Plus exactement qu'est-ce qu'on cherche. Il a aimé ma pièce que je lui ai offert là. On a un symbole, montre-lui. Sympa. Le symbole sur ton carnet, montre-lui. Un carnet, c'est ça? Donne-moi ça, là, donne. Oui, regardez. Très bien, il te le prend. Putain, Vinny, il est taré. Il est taré. Il est infâme. Très bien. Mal écrit. Il a écrit quoi, là? C'est Atlantide qui a écrit. D'accord. J'ai pas vu des fous comme ça. Très bien. Bah écoutez, oui. C'est bien beau tout ça, mais moi ça me dit rien. Le symbole viking qu'il y a dessus. Monsieur c'est, l'expert. C'est pas viking ça. Ça n'a aucun rapport avec le viking. Non. Milo. Et pourtant ça a été retrouvé dans, enfin, sur des équipements, des tu affaires vois, viking. Derrière lui, ce symbole là, il est sur un. Genre un bouquin énorme. À part ça, il est pas viking. Je cours dans le bouquin. Je cours dans le bouquin. Et ça là, ça c'est quoi? Regardez, c'est le même. Ah mais oui. Ah oui, alors ça, ce symbole, les vikings en effet. Bah oui. Michael, retiens-moi, je t'en supplie. Bah écoutez, non, je sais pas, ce que pas ça envie veut de dire. Retenir, c'est ça le pire. Le problème, c'est que vous savez, le viking là, c'est un peu, ça devient un peu à la mode. Pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Hein. Nous on s'y intéresse et vous c'est votre boulot donc soyez passionné. On a pas tout découvert, écoutez, excusez-moi. Non mais, déjà, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour l'instant. Et dites-le au lieu de nous raconter votre vie. C'est pas viking, c'est un dessin d'enfant ça. Pour moi. Pourquoi vous avez un c'est putain le même logo. Oui, c'est le même bouquin de 1000 pages qui parle de ce logo là. Il parle de quoi ce logo?
C'est un bouquin qui parle juste, c'est une histoire de vikings. C'est quoi l'histoire? C'est des contes. C'est quoi l'histoire? C'est des contes vikings. Bah, ils sont allés explorer, des choses comme ça. Apparemment qu'ils auraient découvert l'Amérique avant nous. Bon, attends, vous savez quoi? Vous avez l'air d'être un gros neuneu. Dites-nous tout ce que vous avez qui contient ce logo-là. Prêtez-le nous, on reste là au musée. On l'étudie et vous retournez travailler, faire vos trucs à la con. Aïe. Il y a un petit souci là. Non, le souci, c'est. Il va pas Vinny. Y avoir de souci, monsieur. C'est Vinny qui va vous le causer le souci. Exactement. Alors, je vais vous expliquer. Michael. J'ai un petit problème. Ah oui, vous allez en avoir un gros. C'est que. Toujours. Je vous l'ai dit, le viking, ça devient un peu à la mode. Et il y a tout juste 2 jours, je me suis fait un peu cambrioler.